Chalome, je reviens encore vers vous pour partager ce que Dieu m'a donné hier soir et ce matin. J'avoue que ça m'a bouleversé. J'ai eu une vision d'un grand feu, puis le Seigneur m'a montré le drapeau de la France dans le vide, un drapeau qui avait perdu l'éclat de sa couleur, un drapeau terne. Et le lendemain... Dieu me donna une autre vision d'une terre craquelée, mais vraiment craquelée. Il y avait une toute petite poignée d'herbe verte dans cette terre. Et j'ai eu un songe. J'étais dans un hypermarché avec mon époux et je prenais des pâtes et en fait je voulais dix paquets de pâtes. J'en ai donné à mon époux quatre et j'avais quatre en main. Et quand je me suis retourné pour encore prendre des pattes sous les, les étals, hein, il n'y en avait plus rien. C'était vide, vide, vide. Il n'y avait plus d'aliments. Il n'y avait pas d'alimentation. Il n'y avait pas de conseil. Il n'y avait rien de chez rien. Et je vous dis, ce temps-là m'a manqué. C'était la désolation, c'était la famine totale, il n'y en avait plus rien à prendre. Je vous dis, même si vous avez l'argent, vous n'allez pas pouvoir acheter. Amen, ah, nous n'allons pas pouvoir acheter. Donc, soyons sages, soyez sages, faites des réserves, faites des réserves. Rappelez-vous. J'avais annoncé qu'il y aurait eu un reconfinement. Cela va se faire. Je ne sais pas quand. Dieu m'a pas dit la date. Mais cela va se faire. Cela va se faire. Il y a la loi martiale en France. Je vais encore me répéter. Depuis 2004, je m'a parlé de cette famine. Voyez-vous À un moment donné, vous ne m'avez pas, pas entendu sur YouTube. Je faisais passer mes messages de bouche à oreille, sur WhatsApp. Mais le Seigneur me montrait encore toujours la guerre, le sang coulé en France, toutes ces choses. Je n'ai plus voulu refaire ces mêmes vidéos. Et d'autant plus, le Seigneur a fait grâce à d'autres personnes qui annonçaient ces nouvelles que moi-même j'avais déjà données depuis 2004. Voyez-vous, mais là aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment urgence. Il y a urgence. Alors soyez sages. Faites des réserves. Faites des réserves. Les gens, je me répète encore, il y a beaucoup de suicides. Il y a la guerre. Le sang va couler en France. Il y a des bombes partout. Amen. Donc, gardons la foi et prions. Et puis, je voulais aussi rajouter ceci nous avons une association SOS Prière au cœur brisé. Il y a de ceux qui nous ont aidés à faire notre réserve. Maintenant, si le Seigneur touche votre cœur pour nous aider à consolider notre réserve, que le nom du Seigneur soit béni, ça sera vraiment une bénédiction. La bienvenue à ce esprit au cœur brisé. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et que vos cœurs soient sans rancune, soient sans amertume. Marchons dans la main, dans la main. Dieu dit, prions les uns pour les autres. Alors, prions les uns pour les autres. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais bien bien aimé, je vous assure, depuis 2004 que j'ai des visions et des songes et des révélations. Mais là, hier soir, ce matin, c'était vraiment la tristesse. Et je parle aussi aux îles, les Iliens, faites des réserves. Parce que si la France est par terre, alors faites des réserves. Faites des réserves. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous aime. Amen.